Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous nous proposons de corriger ce problème posé au camp d'entraînement, Olympiade de mathématiques. Là, nous sommes sur les inégalités et qui utilisent principalement une technique connue même dans le premier cycle, c'est-à-dire qu'un carré est positif. C'est en réalité la technique que nous allons utiliser ici. Donc, pour la solution, nous allons utiliser la technique qui nous dit qu'un carré est toujours positif. Bon, ça permet de régler pas mal d'inégalités. Alors ici, nous avons A4 plus B4. Et comme hypothèse, on sait que A plus B est égal à 2. Donc c'est ça qu'on va utiliser et la technique un carré est positif. Alors, on peut remarquer que si nous faisons A à la puissance 4 plus B à la puissance 4, donc on prend ça deux fois, hein, deux fois. Voilà, deux fois A à la puissance 4 plus B à la puissance 4 moins A carré plus B carré, le tout au carré. Ça va nous donner quoi? Donc là, si on développe ça va nous donner donc 2A4 plus 2B4 moins parenthèse A carré, A4 plutôt, plus 2 fois A carré, B carré, plus B4. Et là, ça donne quoi? Vous voyez bien que A4, 2A4 moins A4, ça donne tout simplement A4. A4 moins 2 fois A carré, B carré. Et les B4, 2B4 moins B4, ça donne plus B4. Et là, nous savons par les identités remarquables que ça, c'est égal à A carré plus B carré, moins B carré plutôt. C'est pas plus, c'est A carré moins B carré, le tout au carré, qui est donc positif ou nul, parce qu'un carré est positif. Ainsi donc, qu'est-ce que nous venons de démontrer, on vient donc de démontrer, puisque ça c'est positif, donc 2 fois A4 plus B4 moins A carré plus B carré au carré est positif pour nul. Et en transposant et en divisant par 2, donc on obtient, donc ceci implique que donc ceci implique, excusez-moi, donc ça implique quoi? Que A4 plus B4 est toujours supérieur ou égal à A carré plus B carré, le tout au carré sur 2. Voilà, donc nous avons cette première inégalité. Donc, on va faire de la place ici. Alors, maintenant, ce que nous avons fait pour A4 et B4, donc ça, c'est l'inégalité. Là, cette inégalité-là, je vais l'appeler l'inégalité 1. Voilà, donc, on va l'utiliser encore. Maintenant, à ce niveau, on va travailler, qu'on va faire la même technique, hein, 2
facteur de a carré plus b carré moins a plus b au carré. Là, si nous développons ça, nous allons obtenir que c'est 2a carré plus 2b carré moins donc a carré plus 2ab plus b carré. Et là, ça nous donne donc 2a carré moins a carré, ça donne a carré et moins 2ab plus b carré. Et là aussi, on sait que ça va donner a moins b le tout au carré, qui est également un carré, et un carré est toujours positif. Donc, on en déduit que 2 facteur de a carré plus b carré, voilà, moins a plus b au carré est positif ou nul. Ce qui implique donc que a carré plus b carré est toujours supérieur ou égal à a plus b au carré sur 2. Voilà, maintenant nous savons que a plus b égale à 2, ça, par hypothèse. Or, a plus b est égal à 2. Donc, a carré plus b carré est supérieur, je vais remplacer a plus b par sa valeur, à 2 au carré sur 2, qui est égal à 2. Donc, ce qui veut dire donc que a carré plus b carré est supérieur ou égal à, donc ça, parce que 2 carré ça donne 4, 4 sur 2 ça donne 2, donc ça est supérieur ou égal à 2. Bien. Maintenant, on avait étoile, d'après, pas étoile, on l'avait appelé 1, d'après l'inégalité qui est là, on voit ici, 1. Qu'est-ce qu'on avait? On avait donc que A4 plus B4 est supérieur ou égal à A carré plus B carré, le tout au carré sur 2. Bien. Maintenant, ça, c'est supérieur. On va continuer. C'est supérieur ou égal. On va majorer A carré plus B carré. On va minorer ça. Donc, A carré plus B carré, on sait que c'est plus grand que 2. Donc, ça, c'est supérieur à 2 au carré sur 2. Voilà, qui est égal à 2. Donc, c'est 4 sur 2 égale 2. Ainsi donc, A4 plus B4 est supérieur ou égal à 2. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez bien qu'on a utilisé que la technique, pas les techniques sophistiquées comme IAG, comme l'inégalité de Cauchy-Schwarz, etc. On a tout simplement utilisé le fait qu'un carré est positif. Donc ça, en réalité, c'est une technique souvent utilisée dans les inégalités. Il faut y penser. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.